Bonjour, donc je m'appelle Théo Ledili et je suis en formation système électronique embarquée en alternance dans l'entreprise Thales LAS au poste d'ingénieur compatibilité électromagnétique. J'ai fait une prépa PTSI physique technologie, donc c'est une prépa qui a un caractère généraliste mais qui donne effectivement un socle très solide en électronique notamment. Donc j'ai choisi le secteur de l'électronique parce que tout d'abord c'était un secteur qui me passionnait depuis très longtemps. Donc c'est pour ça notamment que j'ai pris l'option sciences du numérique au lycée. Le point aussi je pense qui est important c'est de voir aussi au niveau du métier d'ingénieur. Je pense que c'était des postes d'ingénieur dans l'électronique qui m'intéressaient particulièrement. On peut retrouver par exemple la compatibilité électromagnétique que j'exerce du coup au sein de l'entreprise Thales. Mais on peut retrouver aussi des ingénieurs qui sont plus sur la conception de cartes imprimées. On peut retrouver des ingénieurs qui vont être plus sur du logiciel, donc du développement embarqué en fait, du développement de logiciels embarqués, d'interface homme-machine. Voilà, donc il y a vraiment cette dualité entre électronique et informatique qu'on retrouve en fait particulièrement dans la formation S2E, qui est la formation la plus poussée que proposent les mines et l'ISTP dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. L'ingénieur en S2E, je le définirais comme un ingénieur qui est capable de manager des activités d'ingénierie qui sont assez générales, mais qui sont quand même centrées forcément sur l'électronique, et en particulier du stade du bureau d'études, donc de la recherche et développement, jusqu'à la conception et l'implémentation même des circuits électroniques sur de grands ensembles complexes, tout en suivant différents indicateurs et en gérant les ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles, tout au long du projet. Donc, un des grands plus de la formation, évidemment, c'est d'avoir un pied dans l'entreprise. Ça, c'est un avantage qui se retrouve sur toutes les formations en alternance. Donc, de pouvoir déjà créer du réseau, mais aussi surtout gagner de l'expérience, rencontrer des problématiques qu'on rencontre qu'en entreprise. Donc, apprendre à gérer des conflits, maîtriser un projet, maîtriser les coûts, les délais, voilà, apprendre un peu toutes ces situations qui peuvent être stressantes, en fait. Et avoir l'opportunité pendant 3 ans de les rencontrer en ayant un statut qui nous décharge un petit peu, ça permet d'apprendre petit à petit à gérer toutes ces situations qui peuvent se retrouver vraiment très problématiques quand on arrive dans le métier après 5 ans de formation théorique. Et je dirais aussi quelque chose qui peut être rassurant vis-à-vis des personnes qui viennent de prépa en particulier, c'est que en fait, les entreprises sont habituées maintenant à ce genre de profil, aux alternances, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Et donc, en fait, on est très bien encadré, autant à l'ISTP, avec un tuteur qui nous suit, autant en entreprise. On a aussi un tuteur qui est responsable de nous et qui nous encadre. Si tu veux allier le management et la conception de systèmes embarqués électroniques, eh bien, rejoins l'ISTP et obtiens un diplôme des mines de Saint-Étienne.